Salut à tous, c'est Grigny, Captain Dodo, comme toujours, pour continuer le playthrough de Final Fantasy Advance 6. Eh oui, le 6, il ne faut pas l'oublier, enfin. Certes. Et nous nous retrouvons donc à côté de ce genre de puits, de moulin, ou je sais pas ce que c'est, bref. Oui, bah c'est une roue. Voilà, une roue, pour essayer de sortir de la ville. Et si je me souviens bien, il y avait une foutue horloge à débusquer. Oui. Donc on est toujours avec Locke, le marchand. Mais actuellement, ouais. Du moins, officiellement. Ex-voleur, ex-marchand. Ex-chasseur de trésors, attention. Ex-futur chasseur de trésors. Donc il y avait un truc avec l'horloge, on avait testé celle était de l'autre côté de la maison. Remonte, parce que je ne sais plus... Je crois qu'il y a un passage là-haut, je me demande s'il n'y a pas. Ouais. Une bibliothèque était un peu... avancée. Ah oui, je me souviens de toi, l'autre jour, on était ensemble près du feu. Très bien. Là, t'es réchauffé un peu. Je vais montrer mes trucs de marchand. Donc, c'est... Quoi? Ah oui, je suis un marchand, je vends des choses. Oui, je crois que t'avais dormi dans le lit un instant. Oui, aussi. Yep, yep. Et vérifie donc derrière la bibliothèque, là. Parce que je la trouve un peu avancée. Ah, oh. Bien joué, bien joué. Moi, je répète. C'est l'observation, c'est ça. Si tu vois une bibliothèque. Tout est par case. Si tu vois le bas de la bibliothèque à trois cases du mur, c'est qu'il y a tout pas normal. Certes. Enlever le déguisement ou rester tel quel. Ah, tiens. Qu'est-ce que tu ferais, toi? Bah, je conseillerais de rester tel quel pour le moment. Et au pire, enlever plus tard, si on peut. Ouais. On verra bien ce que ça fait, hein, de toute façon. On restait tel quel, allez. Voilà. Alors, des bibliothèques. Ça y est, rien. Bon, on fait de la lecture. Nous allons donc rester cette vidéo pour lire tous les ouvrages, un par un. Comment on peut pas lire? Je l'ai déjà vu quelque part, un des généraux de l'Empire. Ah oui, parce qu'il y a un trou dans la porte. Qui c'est? Oui, un général de l'Empire. Traîtresse en plus. Ah, oui, j'aime les traîtresses. Oh, ah. On peut lui donner un nom. Une combattante aguerrie à qui l'Empire a insufflé des pouvoirs magiques. Existe-t-il un cœur de femme derrière le masque impassible du général? C'est Brad qui s'en occupera la semaine prochaine. Céleste. J'aime pas trop son artwork, mais bon. Par contre, on va rester sur le nom pour éviter, comme d'habitude, les embuscades. Éviter le riche de fans. Exactement. Donc, Céleste. Elle est défonceur à la gueule, là. Céleste, ah, Céleste, on leur disgrâce. Mais il rigole. La disgrâce paraît dérisoire quand on la compare aux actes odieux de ceux qui attaquent des innocents sans défense. L'Empire, c'est le mal. Les innocents sans défense. Ouais. Mais dans ce cas-là, est-ce que attaquer des innocents armés est un crime? Bonne question. Bon, donc elle, en gros, c'est une gentille, tout court. J'ai attaqué Madame Midechon, qui avait sa poêle... En main. Sa poêle en main. Bon, est-ce que c'est un crime? Hors sujet! Prof de philo! Oui, non, c'est bon. Bon, donc, Kefka compte emprisonner tous les habitants. Ils sont frappés par Minute Papillon. Certes. Par Minute Papillon. Chris. Il s'appelle Chris. Chris. Donc Kafka compte empoisonner tous les habitants du royaume de Doma. Ah bah ça c'est sournois, c'est subtil. Ça veut dire un envahisseur. Ouais. Beaucoup, c'est juste un assaut. Bon voilà, quitte pas des yeux, sois gentil. Des jours sans dormir. Il va s'endormir dans 20 minutes. J'en suis certain. Non même pas, dès que le mec aura quitté la salle. Attends, elle dort. Et lui il est encore... Spider-Man! Oui, je suis d'accord. Faut s'accrocher au poutre quand même. Tada! Du. Discret. Moi aussi, il y a quoi? Un sauvegarde! Pratique! On ira plus tard, sans doute. Hein. Bah, si jamais on est toujours dans le coin. C'est vrai, par prudence. Oh! T'as pas du cidre? Non. Pour le mec, faut le saouler. Je suis pas sûr que ce soit la meilleure solution. Ouais. Putain, je viens de m'en rendre compte à l'instant, mais. Mais sérieusement, trop dague. Le Mog, il avait plus de 400 points de vie, il était niveau 14. Donc, un Mog est meilleur que notre personnage actuel. Bon, pourquoi ils appellent pas les Mog pour sauver le monde, sérieux? Mais va te pendre, Log. Plus personne se méfie des peluches. C'est pas faux. Bon, ça c'est. Là, c'est l'histoire de l'horloge, je pense. Ouais, il y a des chances. Bon, on va d'abord aller sauver la générale parce que voilà quoi. Elle m'intéresse. Coucou, c'est nous! Discret. Furtivité.
Bonjour, monsieur. Discret, discret, discret. Et madame. Elle est bourrée. Bon, bah, vas-y, on y est. A plus. Qu'est-ce qu'il a, lui, au fait? Il dort encore? Enfin, il dort encore. Il dort alors qu'il s'est pas dormir. La 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 la. Eh, monsieur, ça va? Bon. N'empêche le professionnalisme. Hein. Remettons-nous c'est un peu dans le personnage. On embauche n'importe qui de nos jours. Calme-toi, calme-toi. Non, mais c'est vrai, quoi. Ouais, bon. Si même les ennemis sont plus efficaces maintenant, à quoi ça sert de sauver le monde? Ouais, bon. T'as juste envoyé une peluche et c'est bon? Ah non, remettons-nous un peu dans le cadre. C'est juste... toi qui disais ça? T'étais prêt à la libérer, ensuite tu t'es barré. Bon, d'accord, je m'en vais. Assister au procès de Green, il a tort. Que tout le monde le crie. Et si vous le criez, mettez de l'œil dans les commentaires parce que nous, on peut pas le savoir. Donc maintenant, on va sauvegarder et au revoir à la semaine prochaine. Ciao. Bon, objection maintenant... Fuck yourself. Bon, maintenant, on va se remettre un peu dans le personnage. Allez, on est voilà. Le prince charmant qui va sauver la princesse. Allez, et on le voleur. L'aime. Donc, on est en train de on faire un remake de Aladdin. Tu penses pouvoir vendre quelque chose dans un endroit pareil? Mais elle fait de l'humour! Ah oui, c'est vrai, il fallait changer de train. Tada! Dans la ça. Oui, il a pas honte, lui. Hein. L'armée impériale, enfin, j'étais. Oui, on s'en est rendu compte. Ouais, t'es plus ou moins prisonnier, on dirait. Oh, je suis une traîtresse. On en a rien à foutre, de toute façon, c'est notre ennemi. Céleste, profession, traîtresse. Ex-général, c'est plus classe. Non, traîtresse. Bien, partons, mon amour. Envolons-nous vers d'autres cieux. Voilà, c'est, tu veux m'emmener avec toi, hein. C'est juste un vulgaire bagage. Je ne ferai que te ralentir. Laisse-moi ici. Ok. Le truc qu'on aimerait trop, trop faire. Voir dans un film. Non, laissez-moi. Je préfère mourir honorablement. Mais qu'est-ce qu'on en a à foutre, quoi? Vas-y. Qu'est-ce que t'as à faire à mourir honorablement alors que t'es une traîtresse? Non, mais en plus, il te fait la super proposition, je te protégerai, tout ça. Fais-moi confiance. Je t'emmène. Fais-moi confiance, tout ira bien. Ouais. Eh oui, la preuve, on est encore vivant. Oh, le petit clin d'œil. Ouais, tout discret, mais... Attends, qu'est-ce qu'il y a encore? Quoi donc? Mon dieu, il dort. Clé d'horloge. Ce n'est pas bien de voler. C'est le voleur qui dit ça. Non, je ne vole pas. Mais non, mais je suis un chasseur de trésors, à la base. Enfin, Locke est un chasseur de trésors. Nous respectons la loi. Qu'est-ce qu'il a, l'autre, là? Yam. Sous chaud. What the fuck? C'est Homer Simpson. What the fuck? Homer Simpson a été engagé dans l'armée impériale. What the Otari? Merde. Bon, bah il est... Ouais. Toujours aussi classe. Oui. Il a conseillé de sauvegarder, c'est pas pour rien, c'est un ami. Ah bah tu l'as déjà mis de toute façon. Oui, oui, il y a pas longtemps. Bon, bah c'est pas grave, on va juste récupérer. Hop, donc ici, elle fonctionne. Ok, donc ça fonctionne, on s'en fiche. Vérifie s'il y a pas de coffre par là. Et qu'il y en a quelques-uns qui sont ouverts. Non, c'est bon. Ouais, mais ils sont si, il y en a un, à gauche de la bibliothèque. Non, mais il est inaccessible et il est ouvert aussi. Sauf qu'il est couvert par le sprite. Et alors, par derrière, vas-y. Mais c'est pas un coffre, c'est une caisse. Oh. Voilà. Ah non, merde. Et qu'est-ce qu'on dit? D'accord. Quand un truc a la forme d'un coffre, c'est qu'il y a un truc dedans. Ouais, mais je pensais que c'était une caisse. Ça ressemblait à une caisse, ça avait la forme d'une caisse. C'est le but. Et tu as fait te faire pigeonner par les concepteurs du jeu. Oui, bon, on s'en fout. Bon, allez, je remonte l'horloge et basta. Waouh! Oh, l'arbre a bougé. On s'y attendait pas. D'ailleurs, je me suis toujours demandé si jamais c'était possible, théoriquement, que dans. Même, on voit ça souvent dans les films, ou je sais pas, t'appuies sur un bouton, la regarde que c'est flic, mais les anciens, tu sais, dans les châteaux forts, etc., quand tu tires un livre ou tu baisses un levier, et à suite de mécanisme, il y a un passage qui s'ouvre. Oui, c'est possible. Sans électricité, je suis pas sûr que c'est possible. Si, si, par un système de poids. Sauf, moi, je trouve ça bizarre. C'est pas direct quoi. Normalement, moi je tire un levier, la porte s'ouvre pendant ce temps-là, et après tu tires et t'attends que ça se passe. Si, si, mais par un système de poids, c'est possible. Je t'expliquerai un jour. Ok. Quand tu seras intelligent. T'emmerdes. Donc, reprenons le jeu. Ah merde, il y a des ennemis aléatoires maintenant. Bon, on va voir chien comment les combats. Chien de Vector et. Comment bon, vas-y, attaque. Ouais. On va attaquer les toutous. Tu penses qu'on peut se déguiser en chien si on vole leur peau? Elle, ça m'a tout l'air d'être une hideuse, On va attaquer le toutou. Mais ouais, bah ils l'ont dit, on lui a insufflé des pouvoirs magiques. Ouais. Puissant. Ouais, c'est pas mal ça. Ça pourrait toujours être intéressant ça. Yep. On peut être 4 personnages, on pourrait toujours faire un
deux magies de combat. Bah ouais, je pense. Un dommage qui est offensif et un autre qui est... Bah oui, il faut... Bah ça, de toute façon, c'est toujours comme ça, enfin, c'est le truc de base dans, les jeux vidéo, je veux dire, t'as un healer, un mage, et deux, combats. Le type différent. T'as un tank et un... Ah, un DPS. Ça me rappelle le temps où j'utilise peut-être. Moi, je fais toujours full fight. Ouais, bah oui, oui, mais... Un gros problème. Si on prend, par exemple, Final Fantasy le 4, t'avais le tank, qui était le paladin, là. Ah oui, Cécile. Cécile, voilà. D'ailleurs, je ne comprends pas pourquoi ils ont foutu un nom de meuf à un mec. Donc, il n'y a pas de E à la fin, donc c'est un mec. Ouais, c'est chelou quand même. Je suis remarqué que tu prends Michel, tu rajoutes un L et un E, ça fait une famille. Certes. Sans vouloir. Pas de référence au Michel qui regarde les vidéos, hein. C'est juste un exemple comme ça, hein. Ça aurait pu être Robert et Roberte. Michel, si tu nous regardes, cette vidéo t'est dédiée. Oui, moi non plus, je connais pas Michel. Ok. Ouais, non, mais le type des... Comment ça s'appelle des... Oh merde, on des est professions, mort. Ça c'est... Bon. Premier c'est de la génial. Série. Déjà, bon. Ça c'est fait. Mais je pense qu'il faudrait qu'on se concentre un peu plus sur la vidéo. Ouais, je suis d'accord. Plutôt que de... Voilà, dire des conneries. Parce que tu fais chier, Colin. Ouais, c'est ma faute, Dodo, maintenant. Dodo, tiens, d'ailleurs, je me mange pour la dernière fois, du coup. Ouais, d'accord. Tu fais chier, Colin, à toujours te... Parler d'autre non, chose, ne dis pas ça, ils vont savoir que je m'appelle comme un poisson maintenant. Certes. On les fait le déguisement, on s'en fout. Ouais, pour voir ce que ça fait du coup. Bah du coup, il y aura une phase de cinématique en moins. Bah je sais pas. Alors, bah si, il va pas se changer quoi. Ouais, bah je sais pas si elle va faire une remarque ou si ce sera direct. Bah il fera pas de remarque. Imagine, on s'en fout. Allez, on la libère, voilà. Go, go, go. Allez, on refait la même scène et ce coup-ci, voilà, donc qui es-tu, machin. Membre de résistance. Voilà la résistance, bla bla bla. Pas ces dialogues, hein. Bla 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 bla. Je m'arrête au premier bla bla bla. Pour ceux qui ne connaissent pas, c'est du film Catherine. Le meilleur chanteur au monde. De tous les temps même. De tous les temps. Donc voilà, mourir honorablement, crever, suicider, voilà. T'as le seum, on a bien compris. Allez, et maintenant tu sauvegardes ensuite. Hein. Oui, bon, c'est vrai, ça nous fera une. Ça fera ça de moins à faire. Certes. Attends, soldat, truc utile. Voilà. Bon, si on meurt une fois de plus, on fait. Oui, bon, oui. Bon, on aura la flemme de faire une petite ellipse. Non, non, on fera pas d'ellipse, mais. On ouais, s'arrêtera là comme ça. C'est... On s'arrêtera là comme ça, les viewers seront dégoûtés. Voilà. Du coup, ça nous fera des viewers en moins. On ne se plaint pas, jeune homme. Non. Pas besoin de ça. Faisons pas ça pour les vues. Arrête. Voyons, pas devant les enfants. Donc, ouais. Chevalier runique, c'est classe comme profession. Un aventurier, chevalier runique. Ouais. Y'a pas de rune. C'est mieux que voleur et. Et renégat. Renégat. Ouais, voilà. Renégat. C'était pas très classe, on va dire. Hey, c'est renégat. Là, regarde, je t'avais bien dit tout à l'heure, mais tu m'as pas écouté. Y'a un coffre. Non mais tu m'écoutes jamais aussi, ça m'énerve. On voyait bien sur le sprite que c'était un coffre. Allez, maintenant on va se... un pauvre oiseau martyrisé. Allez, c'est moi l'oiseau, c'est moi le pingouin. Donc c'est moi le dodo. Oui. Mais toi t'as disparu, t'es... Oui, toi t'existe pas. Enfin, un pingouin vert, j'ai pas encore rencontré ça. Ce coup-ci on va essayer de pas crever. Voilà. Trois commandants, tu fuis. Hop. Attaqué. Ou tu fuis pas. Oui, bah utilise glace pour le moment, mais... Ah merde, j'aurais dû le faire sur un autre, ouais, parce que c'est one shot. La prochaine fois, utilise Céleste pour soigner. Ouais, vu ouais, que ouais. C'est la seule utilité, la seule à même de pouvoir soigner ici. Non, j'ai des potions aussi. Ouais, mais c'est naze, les potions. Ouais, y'a que le soin qui est utile. Bon, allez, vas-y, soigne-nous, ma petite chérie, attaque, toi. Allez. Mais quand même, les commandants infligent pas mal de dégâts, hein. Ah bah ouais. On est quoi nous? On est un général, c'est ça? Un ancien général? Yep. Ah zut. On aurait dû frapper plus normalement. Bah oui, on frappe plus à la base. Je veux dire, nous ils nous foutent 40 de dégâts, nous on leur fout 110. Ah c'est tout? Oh ça va! Oui, enfin quand même, quand ils sont 3 et qu'ils attaquent à répétition. Ouais, c'est pas faux. Genre moi à la base, mon plan en de. Attends, c'est pas l'aube qui veulent. Oh ah oui, mince, il y a une face un peu labyrinthique. Pour changer. On voit pas où ça.
remonte, on voit pas où ça mène, où il y a rien qui indique que là c'est pas un mur, à part la salle d'à côté. Alors, ça me rappelle un peu le Final Fantasy 3. Attends, je ne bourre pas. Oui, le 3, oui, c'est ça. Ou même le 4, quoi, où il y avait des zones un peu comme des zones ça. D'ombre. On voyait juste une salle là, il faut trouver le moyen d'y aller. Ah oui, je me souviens d'une scène comme ça, effectivement, dans un espèce de sous-monde. Enfin. Oh, si, ah, oui, voilà. Un genre de souterrain, de grande de caverne, quoi, où il y avait des endroits un peu plus creux et c'est là qu'il fallait aller. Oui, je me souviens de certaines phases comme ça, effectivement, dans le 3. Bon, je te conseille de bien soigner. Oui, oui, là, oui. Mais parce que, effectivement, se lancer au combat, je faisais et pas gaffe. Si tu peux faire de la magie, enfin, soin sur tous, ce serait. Si. Non, comment on fait pas par contre Nope. Enfin, j'ai pas essayé sur tous, effectivement. Je sais pas comment on fait. J'ai plus. Y'a pas la magie de tout. Ah. Y'a droite là Je confonds avec matériel. Et peut-être. Je... Oui, je sais, mais bon. Bon, là, à moins que ça fasse comme dans Dragon Quest, et dans ce cas-là, il y aura une capacité particulière pour faire ce tour. Genre multi-sourd, truc comme ça. Ouais. Ah là là. Ouais. Pourquoi tu fuis pas? Il y a moins de dégâts. Ouais. Non, je te conseille pas. Ouais. T'es trop téméraire. Ouais. Ouais. Bloqué. Ouais. Bon bah je crois qu'on a perdu Green. Désolé. Donc on peut aller là. Non. Tant pis. Dodo est un con. Dodo est un con. Dodo est un con. Dodo est un con. Dodo est... J'ai rien fait pour mériter ça. Enfin, si, j'ai fait plein de trucs. J'y arrive pas. Donc vous ne savez rien que j'ai fait pour mériter ça. Oh attends, j'ai vu un truc. Qu'est-ce qu'il y avait en. C'est rare. En sombre. Non, dans les compétences de. Céleste. La attaque, un truc sombre. Bon, je faisais tenir. Là, j'espère très fort que l'âme égide. C'est l'âme égide et je sais pas ce que c'est. Hop, allez, un petit soin, s'il vous plaît. Voilà. Parce que voilà, de ce point de vue, ça commence à faire juste. C'est une limite ou c'est un truc comme ça? Je ne sais pas, on va vérifier. Parce à moins qu'il faille une épée. Oui, effectivement. Il y a des chances. Il y a des chances. C'est comme les compétences de. Oh non, c'est pas vraiment si le système. Mais les compétences de Edgar, si on n'a pas l'objet qui... Ah fuck. Oui, fuis. T'es sûr que ça marche? Si ça marche pas, tu peux te soigner, tu vas te faire two shot dans pas longtemps. Non, non, ils ont pas assez de dégâts, mais je vais d'abord me soigner, ensuite je fuis. C'est okay. Plus sûr. Comme ça, je suis bien large. Ouais, t'as deux tours de... J'ai un tour. Je t'avais dit, ne pas être téméraire, il faut savoir fuir. Non, on descend. Ah, on peut pas. Non. Et tu vois, tu me dis des conneries. Mais comment on fuit? Ah si, non, c'est L et R en même temps. Ah, bah je vais reprendre une potion du coup. Parce que là, 29, voilà. C'est L, il faut maintenir L et R. D'accord. Ouais, tu vois, j'ai pas toutes ces connaissances en fuite. Au secours, mes mains. Le chien veut me manger. Voilà. Et on abandonne Céleste sans passage. Ouais, donc on a bien que Phoenix par là. On a même 8. C'est la richesse. Oh, on est content. Yep. Alors, bon, maintenant du coup. Peut-être soigner un peu tout le monde. Ouais, par contre, est-ce que j'ai de l'éther? Voilà, de l'éther. Ça, c'est très bien parce que la demoiselle avait plus grand chose. Ouais. C'est la crise. C'est ça, oui. Alors, soit... Voilà, tout le monde. Encore niveau labyrinthe, c'est chiant. C'est chiant. C'est chelou. Non, c'est pas chelou, peut-être pas non plus, c'est pas bizarre. Bref, on avance. Bref, chez Square, à l'époque, ils aimaient bien ça. Voilà. D'ailleurs, c'était Squaresoft, là, ou Square Enix? Non, c'est encore Squaresoft. C'était encore Squaresoft. Donc le 7 était encore Squaresoft. Enfin, c'est même juste Square, parce que Squaresoft, c'était la filiale américaine. En fait. Ah bon? Oui, oui. Le soft, s'ajoutait que pour l'américaine. Et en fait, Square, c'était au Japon. Il n'y avait que Square à l'époque. C'est-à-dire que c'est la filière américaine qui a fait Final Fantasy VII? Non, non, mais ce Final Fantasy VII a été. A subi un truc de la part de la filière américaine pour la traduction, oui. Etc. Je crois que je suis ton conseil. Pour une fois. Oh non!
Eh si, mais si. Ouf. Mais je crois qu'effectivement, on n'a pas trop le niveau là. Il faudra peut-être qu'on farme ou quelque chose, n'importe quoi. Mais... Bah, ça va être dur de farmer vu que les principaux ennemis nous défoncent. Et qu'on peut pas sortir de la ville. Ah oui, merde. Vu que là, on essaie de sortir de la ville, justement. C'est effectivement potentiellement. Il y a quoi dans les coffres? Bah, je sais pas encore, mais on peut bientôt le savoir. Voyons voir. Je te dis, arrête de. Oh, poupie, et ça. Ah bah, tiens. Ah bah, Spat. Alors, à mon avis, on va pouvoir. Oh, mais il a aucun équipement, lui! Mais d'où est-ce qu'il a que dalle? En fait, je crois qu'on aurait dû acheter quelques trucs dans le magasin. Oui, peut-être. Bon, bref. Bon, Dagueulienne, c'est très bien. À gauche. Attends, regarde la défense de l'autre. Ouais. Voir qui mérite le plus de boucliers. LR. Pour passer dans la route. Oui, exact. Alors, défense 56. Et. Comment il s'appelle? Locke, il y en a combien? Locke. 96, et je crois que je peux leur équiper à tous deux des trucs. Oui, je sais, le bouclier. Bouclier, je sais pas si on prendra un. Bah, oui, c'est. Il y en a deux, d'accord, donc ça. Chapeau à plumes, bah oui, on a un kimono, j'ai cuir. Kimono. Ah, effectivement, ça va être beaucoup plus simple pour les équipements. Hein. Oui. Parce que là, s'ils se battaient à poil, effectivement, c'est pas la meilleure chose à faire, on va dire. Ça m'étonne qu'il avait rien, lui, on sait pas comment tu es avec lui. Il était dans l'équipe pourtant. Oui, mais ils l'ont enlevé, on dirait. Vraiment, t'es à droite? À droite? Non. Oh là là. Il va falloir redescendre. On est paumé. T'es en bas. Et là? Oh bah génial, en plus une attaque surprise. Ah bah juste attends, tu vois. 14. Oh, 14. Ah bah quand même. Là voilà, c'est mieux. Enfin, le monde retrouve une logique. La Mégite, c'est quoi? Attends, parce qu'elle le fait sur elle-même. C'est bizarre. Voilà, j'ai pas vu ce que ça a fait. Pas grand chose, justement. Bon, je vais voir si ça augmente l'attaque. Attaque particulière, faudra regarder sur internet. Peut-être. Égide. Ouais. Égide, ça veut dire quoi? Une égide. Oui, c'est ce que j'aime dire. Une égide, ça veut dire quoi? J'en sais rien, c'est un mot. C'est un mot, donc c'est un mot français, même. Ah, je l'ai vu, regarde, elle est en train de parler. Oui, parce qu'elle lance un sort. C'est blablabla. Bla, bla. Ah ah, ils ont fui, ils avaient peur. Ah bah voilà. N'empêche que ça marche déjà vachement mieux comme ça. Oui, je suis totalement d'accord. Ah, pas mal. Hop. Alors, à droite, à gauche, en haut, en bas. Regarde, ici, il faut donc passer à gauche, j'ai l'impression. Non. Échec. Hein? Ah, pouah. Amateur. Deux chiens et un soldat. Amateur. Oh, et en plus, on parle des attaques avec le bouclier. C'est magnifique. Ah ouais, mais c'est... On va peut-être arrêter la vidéo et reprendre dans une prochaine pour le moment. Parce que ça fait quand même 25 minutes là. C'est vrai, ça commence à bien faire. Donc bon, attends. On va défoncer les chiens de Vector. Et d'ailleurs, je sais pas qui c'est Vector. Mais... Alors, ça là vous attendez. Maths, hein. Bon, on va finir le combat quand même. D'où le échec de tout à l'heure. Oh, le jeu de mots de merde. Tiens. Donc, je suis même pas sûr que tout le monde a compris. Moi, j'ai pas compris en tout cas. D'accord, Vector, ça rapporte. Ça se rapporte aux maths, d'accord? Oui. Bon, bah, échec et maths. On a perdu à cause des chiens Vector. Oh oui, vous allez avoir droit à plein de jeux de bruit. Et je vis avec ça depuis 4 ans. Bon, très bien, donc. Maintenant... Soigner peut-être, parce que. Oui. 30 HP. Ça a beau protéger, ça fait quand même un peu de dégâts. Oui, quand même. C'est la crise. Très bien. Et sur cette belle image, messieurs, dames, surtout messieurs, je pense, en fait, bah, on va vous laisser. Voilà, et on se retrouve dans la prochaine vidéo. Merci de regarder et à plus. Ciao.